Daniel, c'est une opportunité extraordinaire de rencontre, de partage avec des femmes extraordinaires qui ont des parcours inspirants et je pense qu'il y a vraiment un potentiel de réseautage, de partage, d'expérience. Donc je pense qu'il y a des perspectives de collaboration qui vont naître de ce dîner. Déjà très enrichissant que ça soit Daniel qui vienne depuis le Congo réunir 10 femmes autour d'une même table, 10 expériences différentes, des parcours différents et nous montrer qu'en Afrique, on doit se soutenir, nous les femmes, quels que soient les horizons, quelles que soient nos origines, ne pas nous mettre de barrières. Moi j'ai beaucoup apprécié ce dîner. Ce que je dis souvent à mes amis, c'est que ce qui manque aux femmes en termes de développement personnel, c'est justement d'avoir des moments comme celui-là où on peut faire du réseautage, rencontrer d'autres personnes qui font qu'on va sortir un peu de notre zone de confort. Et c'est, je crois, le seul moyen de progresser, de s'améliorer. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai été agréablement surprise. Le partage d'expérience, l'échange. Donc, ça a été vraiment un superbe dîner. Merci de nous avoir permis d'assister à ce dîner et d'avoir partagé nos expériences avec d'autres personnes. Un dîner... J'ai été moi-même extrêmement séduite par tout ce qui a été partagé, des femmes de valeur, des femmes d'expériences diverses, des femmes qui sont debout sur les questions de l'Afrique, sur les questions des femmes, des jeunes, des enfants. Et vraiment, je dirais que cette année, je crois que c'est un événement phare que j'ai vécu, dont je vais me souvenir longtemps. Voilà. Je suis ravie de participer à ce dîner ce soir, qui est une occasion pour moi de rencontrer de belles personnes, donc assez inspirantes, qui davantage me motivent dans mon quotidien professionnel, donc parce qu'il y a des parcours, des histoires inspirantes qui montrent qu'aujourd'hui, les femmes en fait, ont le pouvoir et doivent prendre le pouvoir. Merci à Daniel pour cette belle initiative. Bravo. Et vous avez montré ce leadership féminin-là. Vous avez montré également de l'empowerment. On en parle très souvent, mais on ne le voit pas souvent. On parle de he for she, les hommes pour les femmes. Mais ce soir, on a vu les femmes pour les femmes, du she for she. Bravo et bonne continuation. Merci. Ce qui était le plus important, c'est que tout s'est fait dans la positivité. Et c'est extrêmement important d'écouter l'autre. C'est-à-dire que... toutes ces ressources humaines là autour de la table. Chaque femme autour de cette table a quelque chose à apprendre d'une autre femme, a quelque chose à léguer, a quelque chose à donner. Et c'est ça le monde finalement. Donc c'était tout simplement extraordinaire comme expérience et j'espère que ce sera une expérience qu'on pourra pérenniser sous d'autres formes. Voilà. Je suis vraiment contente aujourd'hui de pouvoir rentrer avec cette expérience qu'elles ont bien voulu partager avec nous, parfois très intime, mais qui va nous pousser à aller au-delà de nous-mêmes pour vraiment atteindre nos objectifs, de partager ce que nous savons faire avec des jeunes femmes, des jeunes hommes aussi, pourquoi pas, pour avoir un impact sur la jeunesse africaine.